oui, si t'as kiffé ce petit montage avec la musique épique, bon, ok, je fais le plan, mais j'avais envie de vous faire un petit montage comme ça. Allez, on passe de suite au vlog. Mes poulets, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je pète la forme personnellement. Parce que regardez-moi ce soleil là. Je préfère vous prévenir, je vais avoir un fil de batterie. Parce que là, il me reste plus que... Il doit me rester à les 25% de batterie. On fait chauffer la bête tranquillement. On se presse pas, la pauvre. Et aujourd'hui, c'est mon enduro vlog hashtag 2. Je suis un abruti emboîté, non? Je suis un peu un imbécile. Bon les gars, aujourd'hui on va parler de quoi? J'ai gadouillé ici. Aujourd'hui on va parler de des nouveautés YouTube. Est-ce que ça influence ma chaîne ou non? Et après, bah je sais pas, on va improviser. Hein, comme chacune de mes vidéos. Je sais pareil, il y a des petits chemins, sympatoches. Donc, YouTube, fin d'année 2016, ils se sont dit, on refait tout pour 2017. Ils se sont dit, on va faire chier les youtubeurs débutants, hein. Entre autres, moi. Et ouais, ils ont fait la merde, ils ont fait de la merde. Je sais pas si vous avez vu maintenant, mais ceux qui ont un compte YouTube et qui ont des abonnements et tout ça, vos chaînes, là, par quoi vous êtes abonnés? Dans les propositions, vous les voyez plus? C'est quoi ça? Pourquoi pas? Dans vos propositions, il n'y a plus vos chaînes que vous êtes abonné. Donc vous pouvez aimer la moto, avoir 50 chaînes d'abonnement à la moto. Et bien vous pouvez vous retrouver avec du Hello Kitty. Non, sans déconner, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est quoi ça? Il n'y a que Pierrot qui connaît. Moi je connais absolument pas, mais je sais qu'on y est déjà venu. On va monter voir. Donc oui, je disais, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Merde, non, en fait non, je croyais qu'il y avait un chemin là. On sent le mec qui connaît. Donc je disais, vous avez plus vos abonnements. Donc moi, ça influence quoi sur moi? C'est-à-dire que mes nombres de vues, ils baissent énormément. Et c'est pas par la main route. Bon les gars, aujourd'hui on part vraiment à l'aventure. Hein, Mes nombres de vues descendent, pourquoi? Parce que mes abonnés regardent pas mes vidéos. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pas informés de quand mes vidéos sortent. Moi, il y a un truc que je vous conseille de faire. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est primordial, on va dire. Enfin, en fait, ça servira à rien que vous soyez abonné à ma chaîne. Vous soyez, pardon, abonné à ma chaîne et que vous le faites pas. Donc à côté des abonnés, vous avez une petite cloche. Vous cliquez dessus et vous faites activer les notifications. On tente un petit wheel. Merde, gros fail. C'est pour ça que Pierrot il est au ski, mais dès qu'il revient on va se faire un petit wheelie training. Alors je connais absolument pas par là. Ah non, ça a l'air occupé. On va faire un demi-tour de suite. Ah, doit être une palombière. Ah, vous vous souvenez d'ici? Vous vous souvenez, c'est là où on avait croisé les deux fichous. Les deux fichous, je dis n'importe quoi. Les deux mecs là qui roulaient à balle. Je sais pas si vous voyez, si vous avez vu, mais j'ai changé mon point de vue caméra. Y'a pas trop d'eau par ici. Oh, je m'arrête quelque part. Oh, c'était sympa ça. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je suis. Je vais voir ce qu'il y aura. Faire des chemins. On est plus de 500 actuellement et personnellement ça me fait vraiment plaisir. Merde, je crois que j'avais chez des gens. J'ai un peu trompé. Ça fait 7 mois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Ça fait 5 mois que je me suis mis réellement parce qu'avant je faisais des vidéos comme ça, voilà. Je faisais un petit montage avec Imovie. J'ai commencé à investir dans une nouvelle caméra. Bon, faut que je trouve des chemins là pour envoyer du sol ma mène.
a pas pu gazer les gars, ça me saoule ça. Ah là il y a du chemin. Voilà. C'est ça qu'on veut. Bon les gars, première feuille de batterie. Oh merde. Oh merde, merde, merde. Je perds tout. J'ai de la chance de le voir, regardez. J'ai failli perdre une petite batterie. Ah, je sais pas si elle aime trop aller dans l'eau. Elle. Hop là. Ça aussi. Hop. Alors on va tout contrôler. Abruti comme je suis capable de tout perdre. Donc, est-ce que j'ai bien mes deux petites batteries? J'en ai une. Et j'en ai deux. J'ai mes clips, tout ça. Bon, on va voir un petit coup. J'ai un petit peu soif. My ding ding dong. Allez, on va repartir tranquillement. Donc là, je sais toujours pas où je suis depuis tout à l'heure. Dès que j'ai entendu la caméra sonner, je me suis arrêté de changer la batterie. Les gars, aussi, je vais vous parler de mes projets sur la chaîne, de mes projets, de mes ambitions, on va dire, ce que j'aimerais bien faire. Donc, FAQ 1000 abonnés. Ceux qui veulent commencer à me poser des questions dès à présent, y a pas de problème, mais on est quand même que à 500, on est quand même que à la moitié. Donc je vous ferai une vidéo exprès pour vous préparer à la VAQ, parce qu'ils veulent poser toutes leurs questions et tout ça. Ensuite j'aimerais bien, au moins une fois, faire une rencontre avec entre youtubeurs. Alors là il y a plein de chemins, on va aller par le celui-là. Qui je pense il mène à rien, non. Une petite rencontre entre youtubeurs, ce serait vraiment le top. Déjà avec Wemi Bleu, Chanel, j'aimerais bien qu'on se rencontre, mon petit poteau. Je vous en dis pas plus avec ce gars-là, et voilà, je vous en dis pas plus. Il débute comme moi, allez voir sa chaîne YouTube, il fait des petits vlogs, bons petits vlogs. Mais je vous en dis pas plus, faut que j'arrête de parler. Je parle trop, moi, je parle trop. J'ai des bêtes qui se travaillent dans mon masque. Ok, d'accord. Je sais pas où je suis, les gars. C'est pour ça que je roule autant de soins aujourd'hui, je sais vraiment pas où je suis. Et je suis prudent. Donc, j'espère bien que je vais réussir à me retrouver. Ce serait un peu con, ça, de se perdre. Ah, ils sont... Bon, les anillons. Putain, il y en a un paquet, con. Faut que j'essaie de lâcher les deux mains. Oh, putain. Oh, c'est pas cool, là, mes gars, pour faire des wheelings. Eh bien, je crois bien que j'ai trouvé le champ. Quand on va s'entraîner à faire des wheelings, mon poteau. Vous étiez nombreux à me demander des wheelings. À faire des wheelings. Ils étaient là, ouais, tu peux faire des wheelings dans ton prochain vlog. Eh ben non, je suis un connard, je vous ai dit oui, mais je ne le fais pas. Enfin, j'en ai fait quelques-uns, mais voilà quoi. Ah ouais, mais en fait, vous êtes là, vous devez vous demander ce que c'est un training, les gars. Eh ben c'est une vidéo consacrée aux wheelings, voilà. Je pense que vous en avez douté un petit peu, mais quand même. Je préfère préciser. Ok, d'accord, on a une maison abandonnée. Je suis sûr que vous meurez d'envie que j'y aille. Mais non les gars, je suis pas suicidaire. Parce qu'elle a, elle a pas l'air si abandonnée que ça, mais elle a l'air surtout détruite. Donc on va gazer, hein. Là je crois que c'est planté. C'est hyper dangereux les petits rebords de merde là, putain. Je vais me péter la gueule comme un trou de cul. Oui, ce petit rebord, hein. Changer mon pneu, il s'est mis dedans et ça fait ploc. Vous voyez les gars, là, normalement, j'aurais dû prendre à gauche. Sauf que moi, quand on m'a teubé, j'ai tracé tout droit sans réfléchir. Alors que je venais de la gauche, hein. Donc voilà, c'est exactement la raison pour laquelle 30 minutes plus tard, je me suis perdu. Comme un teubé, j'étais bien paumé. Donc, je n'en dis pas plus. Regarde jusqu'à la fin. Allez, ciao. J'ai pas le souvenir d'être passé par là les gars. Ça y est, je suis perdu. Oh putain de merde. Putain, je suis gadouillé aussi. Okay.
pourquoi pas. Ah, les chasseurs. On va y leur demander. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où on peut retrouver Saint-Soulan? Un petit peu. Retrouver Saint-Soulan. Saint-Soulan, ah, il est là. Ah d'accord. Merci. Bonne journée. Je suis vraiment perdu là en fait. Genre ça me dit rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Bon, ce vlog était parti plutôt bien. Puis là ça part légèrement en couille. En fait je me mords les dents parce que je vois tellement de chemin sur les bords. En plus ça va pas passer par là là. Allez. Là il y a un petit coin sympa. Bon allez, on va aller là-bas. On va aller se faire des petites photos. Je sais absolument pas ce que je fous là. Je sais pas où je suis. Et je suis décidément vraiment perdu. Et je continue à faire de la merde. Et c'est là que je l'ai vu juste nulle part en fait. Donc pour tous les gens qui m'avaient demandé si je m'étais déjà perdu en moto, eh bien ça y est, c'est fait. Et vous allez apprendre en vidéo. Oh putain. On va sortir la tablette, on va faire un petit snap, un petit Insta. Je vous invite à m'y rejoindre sur Snap et Insta. Putain, mais il y a des gens partout ici, c'est quoi ça? On va se foutre un petit filtre. Celui-là est pas mal. Suivant, et là, je vais écrire en direct de OK publié. On n'a pas le droit ? Non. Ah, excusez-moi. Je fais demi-tour et voilà. Ah, excusez-moi. Désolé. T'es passé dans le champ. Ah, excusez-moi. Je fais demi-tour et... D'accord. Pardon, excusez-moi. Comment ? Je fais demi-tour, tu vas. Je passe pas par là ? Je fais demi-tour, c'est privé ici. Ah, excusez-moi, d'accord. Je pense que je vais me faire ruer dans les commentaires, là, moi. Mais je reconnais entièrement ma faute. On va faire une petite pause ici. Bon, les gars, là, je sais pas où je suis. Je suis paumé. Ce vlog est bien parti en couille. En attendant, j'espère que ça vous a plu quand même. Hein, pour le, parce que j'ai pas roulé fort, j'ai parlé, on a discuté, du blabla, du blabla, du blabla. En tout cas, merci à vous de me suivre, d'être toujours là dans les commentaires. Sur les réseaux sociaux, je reçois plein de messages, continue tes vidéos, c'est vraiment bien, tu peux aller loin. Des youtubeurs qui m'encouragent, ça me fait énormément plaisir. Par exemple, je pense à qui? Je pense à Silk722, un youtubeur moto qui a 50 000 abonnés à peu près, qui m'encourage. Ça me fait super plaisir à toi mec, merci beaucoup. Je vais continuer sur cette voie les gars, moi je vais essayer de retrouver mon chemin. Ouf, est-ce qu'on fait le fou comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu un motoblogueur faire autant le fou? Je suis un thug life. Regardez mon ombre. Twerk, twerk. Je fais du twerk sur ma moto les gars. Twerk, twerk. Et, vous voulez voir un explosage de couilles? Mais je l'ai fait vraiment parce que c'est vous les gars. Yeah.